faux et archi faux, la maman d'Alexandra n'est pas arrivée au Canada. C'est fort probable qu'elle y arrive aujourd'hui, si tout va bien. On leur a délivré deux visas, son mari et elle. Et il devait déjà s'y rendre. Mais s'il traîne encore à Kinshasa, c'est sur demande de la police canadienne qui leur a demandé d'attendre un mot d'ordre venant d'elle. Pour Roselyne, Alexandra est toujours vivante. Elle reste optimiste tout en prenant les positifs. Et elle croit fermement qu'une fois qu'elle atterrit au Canada, elle aura de très bonnes résolutions pour sa fille Alexandra. Elle a crié à l'aide pour qu'on retrouve sa fille et non les cadavres de sa fille. On doit bien nuancer. Parce que nous sommes une communauté qui s'emporte si facilement. Quand quelqu'un se pointe avec une fausse info, voilà, le faible d'esprit se laisse manipuler. Pourquoi est-ce que la maman d'Alexandra doit faire une vidéo de remerciement avant l'enterrement de sa fille? On sait que je sache, on ne remercie la communauté ou les gens qui vous ont assisté qu'après avoir finalisé toute chose. Et vous pensez vraiment qu'elle est folle pour qu'elle rejette les efforts conjugués par la communauté du monde? Ben non. Seulement qu'elle n'a pas l'esprit en place. Elle n'a pas de morale. Si elle a jugé d'éclairer sa fille en discrétion, en toute discrétion, oui, moi j'appuie cette idée. Parce que ça parle de partout, ça crépute de partout, ça spécule de partout. Non, on ne respecte même pas sa douleur. Ce qui est très méchant. Ce qui est très méchant. Elle va arriver au Canada, certes. Si tout va bien, elle y sera aujourd'hui. C'est la police canadienne qui leur a demandé d'attendre, de patienter. La maman d'Alexandra ne veut même pas gober l'idée qu'Alexandra ne fait plus partie de la surface humaine. Non. Elle rejette cette option. Elle rejette toute option de penser que sa fille ne plus. Est-ce que vous mettez un tout petit peu à sa place? Mesurez-vous sa souffrance? Savez-vous comment est-ce qu'elle saigne du cœur? Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari, Bosangana Boye Belegi, Trondi Marabino, Nkolo Borotika Kazi à Kikamata, Nkolo Borotika vie à 100 porteurs, vie à Diabo. Si l'élo, Moutou Morona a coquille 5 ans d'instabilité, 5 ans qu'il y a maintenant, ça va être. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à Kabar, à côté à Kaboite, Babwa Kakaepe, Alinga Kapete, Amona Nakapete. L'homme invisible est l'homme masque. Mon thème est sombre à Kaza, maman de Nini. Mon condé à Bassi Nyoso et Johannesburg. Madame Jing est l'homme masque. Bah, imagine toi la petite vidéo et la office. La bouteille, bureau est l'homme masque. Toto renouvelé qui n'a qu'à dire. Bakalate Bon la place Elon Musk à la lata Bilora Sike Koti Bilora Moto Bourgeois Kingakat à long et à large. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Moutaleki Wazate.
Afrique du Sud, tenez-vous prêts. C'est déjà pour ce dimanche 24 novembre 2024 à Gold Reef City Lyric Theatre, aux environs de 16h. Shout of Praise avec Julia Kapinga. Sont donc vendus à Pick and Pay et sur Web Ticket. 100 rennes pour un billet ordinaire et 200 rennes pour le VIP. Venez donc nombreux ce dimanche 24 novembre. On va célébrer le Dieu de la destinée. On va célébrer ce Dieu qui nous a gardés tout au long de l'an 2024. Il y a un témoignage. A shout of praise. Sa fille unique et vous devez dire que de lui faire une vidéo de remerciement et vous l'attaquez, vous la qualifiez d'ingrate. Waouh, mais quelle communauté ça! Nous sommes des communicateurs et nous devons mener nos enquêtes en vue d'informer l'opinion publique en temps réel. Non, c'est ce que je déplore. Et j'ai toujours reproché à plusieurs communicateurs. Pourquoi tu ne fais pas tes propres investigations? Pourquoi ne mènes-tu pas tes propres enquêtes? Vous avez ramené sa vie privée sur la toile. Avec de faussetés. Et avec un cœur meurtri, je me suis permise de venir éclaircir ce sujet. Envie de rétablir la vérité. Comme vous l'avez suivi d'ailleurs. Arrêtez ça s'il vous plaît. C'est une mère qui saigne du cœur, qui a perdu tout espoir et nous ne savons même pas si elle va résister. Aussi, ce scandale aura raison d'elle. Parce que nous la voyons aujourd'hui, mais nous ignorons demain. De quoi sera constitué demain? D'où? Soyons indulgents. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. N'oubliez jamais ça. Elle n'est pas dans sa peau. Elle n'est pas dans son assiette. Elle n'a pas de morale. Elle n'a pas son esprit en place. Et sa fille n'est pas encore enterrée. Mais vous l'exigez déjà une vidéo de remerciement. Quelle méchanceté! Que cela vous arrive. Pour que vous mesurez sa peine, pour que vous sachiez ce qu'elle vit ou ce qu'elle traverse comme situation. C'est vraiment méchant de votre part. Elle a crié à l'aide pour qu'on retrouve Alexandra et non le corps d'Alexandra. C'est très bien la nuance, s'il vous plaît. Clin d'œil spécial. Ah, blessing one da fille à papa veut dire nuance sur la papa yaye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Moindre, autrement dit Porsche Cayenne, du modèle, chanteur Android, monstre blanc, Élisée, madame de mon cœur, Moutalekio Azadier, Miros Bintuna, London, grande soeur propre, Mouté Mawili Chimbalang, Abraham Toko, Yamado Toko, Nabela, Naalost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, Yamaman Marie-Jeanne Kibesi, Norman à Paris, Papa Naclevès Kibesi, Anjol Mbikas, son grande soeur propre, Femme à la Bentley, Sandra Kazali, Maman Denise, Moté Eric Jeng, Elon Musk, Papa le millionnaire Snoop Dogg Dogg, Snoop Mahmoud, Claudine Assé Milan à London, hein, Jordan Mwamba béton le cœur de sa femme, Blaisette Moubiaye dans Switzerland, La Dauphine 50, Muflor Lufuma, hein, Christelle Chely Katokolo et Alain Montana Grenoble.
Bijou la Congolaise a eli sousou. Na ma ematali moi si pe mobali. Bo pikili ki boa bokundu bo anzoto bo yo. Pe ma ematali bo kati ya moi si. Atika. Joazen la lumba. Ozana ba kiste. Ma mouyon ba fi bon ba trompe bouché. Ma kine kine rozonga. Bilo na bi sezan naturel. Eko sunga yo oko joazen. Eko longo la nyonso. Oyo na katya ni mounezo ampeche joazen. Ba papa moussous ba na poma ma bota. Ba maina ba mouze ya kobe. Ba matake koufa. Bilo kwa ba papi zale. Botisipo zene kota mba amoko. Oye zapu na ba mama. Oye zapu na ba papa. To souki pe wana te. To zana bilo pe ya bo. Pikile ki po na ba papa. Ezo ratete ba mama bazo bota ba regle zongi ba papa ba telemi ma bumusili nzoto bomosi e bongi mama bongisa Jessica na lio okozonga moseka oyo zanzeta moseka e kangi Jessica comme c'est mon kitoko kaucheza 100% naturel ba kisi ya kokoli sa sima pe mama olingi simekola yaka Olingi basima eya minene ba basse eya minene o eza basima to peso ou dispositoire na ya komela na crème to zote capé en gros Olingi osomba pour revendre yaka ba grossiste boya bongi salo poso zolongola ba tache ba bouton ba tampo lo poso beba ekobonga biloko na biso eza naturel ay documenté 100% naturel benga biso na plus 1 207 518 06 32 Peli Soussou na plus 243 844 099 215 Koutabiso na Instagram Toza na TikTok Toza Peli Soussou na Facebook Na bijou la Congolaise Le beau kwanzam bezo pounya pounya Ezo pona teo Car le panne circule encore Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango bapayate Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa po na parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus awi tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité de l'information et de l'émotion. Voilà que le mention nous ramène. Encore une fois de plus dans les dossiers de notre regretté Alexandra. Pourquoi sur ces dossiers? Parce que notre communauté est tellement sensible et manipulable. Même par une fausse information, elle s'emporte si facilement. Est-ce que la maman d'Alexandra est-elle arrivée au Canada? Non. Est-ce que a-t-elle rejeté tous les efforts fournis par la communauté? Non, mais c'est faux! Il suffit qu'une personne s'élève avec un faux poste et là aussi sensibilité n'a bien. Déjà, faut savoir que Rosemine a perdu sa fille. Son unique fille. C'est pas facile. C'est une preuve insupportable, insurmontable et incommensurable. On ne sait même pas à quel sens il faut. Nous sommes tous des communicateurs. Et étant donné que nous sommes communicateurs, nous devons savoir par où passer pour acquérir les informations ou comment procéder pour mener les enquêtes afin de ramener à l'opinion publique de vraies informations.
La maman d'Alexandra n'est pas encore arrivée au Canada. C'est qu'il faut retenir. Et elle n'a point rejeté les efforts fournis par la communauté, tant congolaise qu'africaine. Non. C'est une dame qui a tout perdu. J'ai délégué quelqu'un chez elle, à Maloué Kalos et Tien Ludeï, bien sûr, pour acquérir les informations dont je vais vous relayer au cours de ce numéro. Il faut savoir faire bien les choses et dire les choses telles qu'elles sont, surtout quand il y a une personne qui pleure d'amertume, qui a un cœur qui saigne. On leur a délivré deux visas, son mari, Georges, et elle. Il devait en principe se rendre déjà au Canada. Mais c'est la police canadienne qui leur a ordonné d'attendre leur mot d'ordre. Voilà pourquoi elle traîne encore. Elle traîne encore à Kin. Et c'est fort probable qu'elle soit au Canada aujourd'hui. Assurément, de ses côtés, nous serons déjà endormis. Et de l'autre côté, ils seront... la journée, et puis voilà. Si tout va bien, en tout cas, c'est fort probable qu'ils arrivent aujourd'hui au Canada. Que disent les Congolais? Partons de ces faux postes ou de ces fausses informations qui ont été livrées. Tout le monde s'est emporté, c'est pas tout le monde, en fait, ceux qui réfléchissent moins, au fait, se sont emportés et s'en ont pris à la pauvre dame qui a perdu son unique cadeau. Pourquoi? Parce que le poste disait que la maman d'Alexandra est au Canada depuis une semaine et a préféré pleurer sa fille en coulisses, mais c'est faux. Faux et archi faux. Parce que si elle atterrissait seulement au Canada, même les médias canadiens diffuseront ces images. Parce que c'est une affaire qui a été médiatisée et tout le monde est au courant de ça. Les Congo, en fait, le faible d'esprit s'en ont pris à Rosemie. Disons ceci. Elle doit être reconnaissante à la communauté africaine. Dans la douleur, elle avait fait appel à cette communauté de l'aider à retrouver sa fille. Et à la fin, tu ne veux pas une mortuaire avec eux. C'est du pur ingratitude. Elle ne cherchait les corps de sa fille, mais plutôt sa fille. Ça, c'est une autre personne qui rétorque. Elle ne cherchait les corps de sa fille, mais plutôt sa fille. On n'a pas trouvé sa fille vivante. Donc, merci à la communauté des efforts, mais personne n'a pu retrouver sa fille vivante. Donc, quel genre de gratitude vous attendez d'elle? Bien dit, c'est comme si les gens ne réfléchissent pas. Et oui, j'approuve que les gens ne réfléchissent pas assez. Peu importe l'état du corps, l'essentiel, ça a été retrouvé. Normalement, elle devait faire une vidéo de remerciement à la communauté du monde pour cette affaire. Pleurer sa fille en discrétion, c'est une mauvaise idée, crois-moi. Mais pourquoi tu es si pressé pour qu'elle fasse une vidéo? Laissez-la faire son deuil. Le moment viendra où elle pourra faire une ou deux vidéos pour remercier ceux qui l'ont soutenue de près ou de loin. Vous avez le droit d'avoir votre avis à ce sujet, mais si tu as perdu quelqu'un de premier degré, tu ne diras pas une telle chose. On n'a pas encore enterré la fille, mais tu veux
qu'elle passe déjà pour faire une vidéo depuis quand on remercie les gens avant l'enterrement. Chose étonnante. Laissez à cette dame son espace et du temps de deuil. Toi, tu vas qu'à tes occupations. Tu pars peut-être au boulot, mais elle, non. Elle n'y arrive pas. Mettons-nous à sa place pour une fois. Voilà. Donc, les gens sont tellement manipulables qu'ils se laissent emporter à moindre mouvement. Déjà, je vous dis que pour Rosemine, sa fille est en vie. Elle reste positive. Elle reste... elle reste vraiment positive. Elle n'est pas pessimiste. Et elle croit fermement que une fois qu'elle mettra ses pieds au Canada, elle aura de bonnes résolutions. Parce qu'elle compte aider la police à retrouver sa fille vivante. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Elle compte retrouver sa fille vivante. Et je vais juste vous signaler que quand elle a crié à l'aide, ce n'était pas pour qu'on ramène celle-ci sans vie. Non. Elle a crié à l'aide, alerte, au secours. Someone can help me. Pour qu'on retrouve Alexandra en vie. Mais malheureusement, les destins, on a décidé autrement. Et elle a raison de rester discrète. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement fouillé sur sa vie. Les gens racontent du n'importe quoi, même des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, seulement pour se faire de vieux. Et pour une mère qui pleure, c'est un cas grave. C'est vraiment un cas grave. Alexandra était tout pour elle. Elle était vraiment tout pour sa mère. Et du moment où, depuis les 2 octobre jusqu'à ces jours, elle n'a jamais écouté la voix de sa fille. C'est une tragédie pour elle. Croyez-moi. À moins qu'on en ait au coup fait la tête. Mais ceux qui ont coup fait là, tu sauras qu'est-ce qu'est la douleur de la séparation. Bisous à la boye, aux ambal non en a. Oui, mais bien qu'à bimi poison. Mais, soit à zongité. Tout au bien, aïe, mbate, mouté, mais ça la passe. Et à combien plus forte raison, moi, non? Oh, il y a qu'un espoir de la retrouver, mais malheureusement, oh, qui casse à mon kakoufa. Et on t'apprend même que le corps est en état de décomposition avancée. Vous pensez vraiment que c'est facile pour cette pauvre dame? Je vous avais dit que tout ce que nous connaissons d'elle ou tout ce que nous savons. Mama Mae 2024, GavCare, to Yelibino solution. Bon abat problème ya, trompe, fibrome, myome, kiss, règles abondantes. GavCare, to Zalina solution. Yo, oyo, okota, menopause, asana, 65 ans, na GavCare, oko simba, moana. Et bongo, oyo, etali, fertilité, masculine. Ma papa, to bossani binote, faiblesse, sexuelle, éjaculation, récosse, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. To saye moi si, et kima yo. Qui m'ont bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et talino poso vergetu mabengi nduta bouton tache acné GavCare ma produit à solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au télé de l'endengue bimiki toko
qu'on a fait. Tozalina, gamme complète. Y'a Copacola, y'a injection, y'a comprimé, y'a suppositoire. Yeah. Tozalina, problème, y'a hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kakana, des jours, y'a pamba. Omoni, changement total. Bonne maladie, y'a tension, diabète, AVC, topé, obésité. Lobico et Zali, partie des poids, sans au côté, salle des sports. Ici y'a injection, pe comprimé, na gavke, bikalibela, olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, to awa, ezali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe esalemi, na ba plante, na ba industrie via Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution et à santé na yo. Belle, mettons-la encore dans le placard. Le moment viendra. Peut-être ou pas pour parler ou évoquer tout ce que nous connaissons sur elle. Mais pour le moment, c'est une âme qui souffre, c'est une mère qui saigne du cœur, c'est un cœur qui se brise en mille morceaux. Et la compassion. Ayons la compassion. La maman d'Alexandra n'est pas arrivée au Canada sur demande de la police canadienne. Maman Alexandra, quand une histoire est médiatisée, a quitté l'aéroport, basant aux voyez photo, vous pensez, ah, ce qu'on n'aura pas si, pour ceux qui se servent de fausses informations, ce que dans le monde en réalité, mon sous, après, bon, on a sous, et, voilà, bah, pas nissant. Bon, ça, la investigation, la bino. Bon, vous ne pas mes rabino dans mon pépé. Vous ne mettez pas mon pépé. Vous ne mettez pas mon sentiment. Non. Ça ne tient pas lieu d'être. Ça ne tient vraiment pas lieu d'être. Nous sommes là pour informer l'opinion publique en temps réel. Quand il y a à dire, on dit quelque chose. Quand il n'y en a pas, on s'était. Et on passe à autre chose. Maman, il y a Alexandra à la positive. Elle reste optimiste. Elle rejette toute option de pessimisme. Elle ne croit même pas un seul instant que le corps de sa fille est placé à la morgue. Elle dit non. Elle cherche à aller pour aider la police afin que sa fille soit retrouvée. C'est tout ce qu'elle veut, c'est tout ce qu'elle sait, c'est tout ce qu'elle espère. C'est tout ce qu'elle croit. Parce qu'il y a Gangaki, Potosunga retrouver Alexandra en vie. Et non le contraire. Et non le contraire. Donc, foutons là la paix. Inclus moi-même. Boya qui a une histoire à vie, naïe, à ton mobile à bateau. Bon, bêta qui on a un à ma paix. Je devais être contacté pour éclaircir cette histoire. Et l'opinion a été éclaircie sur ce point. Basigno sur tout est au madame Baliabatoua Koufina Kabana. Je n'encourage pas ça. Mais surtout, tout le monde en anglais, Wana. Parce que moi, je suis issu de la polygamie. Qui vous parle. Maman a la 7e femme. 7e. A coup fait la moitié. A coup fait la moitié. Donc, c'est comme je disais, c'est au Kébité, on va perdre le vrai piste, le vrai option. Oui, on va perdre raison. Police canadienne
et les cas qui n'étendoïké pour noyer de sa vie de garder silence et de la laisser faire ce travail professionnellement parlant. Parce que ça rapporte de partout de fausses infos, ça spécule de partout, ça crépute. Donc, nos oreilles sont tellement raflées que quand on n'est pas fixé, c'est alors que tous sont salés au fait. Maman Alexandra n'a comme au Canada. C'est fort probable qu'elle y arrive aujourd'hui. Si tout va bien. Parce que c'était sur la demande de la police canadienne. Si ça ne dépendait que d'elle, elle serait déjà partie. Elle serait déjà partie. Et depuis quand est-ce qu'on remercie les gens avant l'enterrement? Ça existe de nulle part. Pour remercier les gens, ça ne vient qu'après l'enterrement. Après avoir tout finalisé. Elle fait son deuil. Elle souffre. Tout PC espace. Tout PC temps. Laissons les temps au temps. Et tout sera parfait. Batobele balobara makambo. Mais au landisa na koufé la te na vie na e. Na koufé la te. Yaw moninga mam. Na senga abino. Pour respecter la douleur. Ya batoumi sous. Respecter la douleur des autres. Parce qu'un cœur qui souffre, comme la maman de Pamela, qui souffre en Belgique amèrement, au Ebiseni. Yébimo en a couffé dans de mêmes circonstances qu'Alexandra. Yazo Moumala Batoutin, Avanam Bal Nemoro, le père de ses enfants. Et c'est elle et son mari qui ont pu ramener leurs enfants, leur progéniture, en Italie. Et quand ils sont allés s'installer en Belgique, puisque sa fille avait déjà trouvé son âme sœur, c'est ainsi qu'elle est restée à l'Italie. Et voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Fais donc très attention. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Ça, c'est un sujet tellement sensible que nous devons nous abstenir à se jouer du dit sujet. À nous jouer du dit sujet. Parce qu'il est tellement sensible. Nous vaquons à nos occupations, mais la maman d'Alexandra, non. Elle est coincée, elle est clouée, elle est tétanisée, paralysée. Elle est par terre. Elle a crié alerte en nous demandant de l'aider à pouvoir consommer de l'eau, ne serait-ce que de l'eau. Yaya. Chocoufé du moine, hein. Il y a un vide qui se crée dans toi. Un trou qui se creuse. Si bien qu'après l'enterrement, et s'il a raté, ça s'accentue de plus en plus. Ça s'accentue. Et le pire est que quand on n'est pas très bien entouré, on peut succomber comme le papa qui a succombé 4 mois après le décès de sa fille unique. C'est pas une maman, mais plutôt un papa qui a succombé après les départs de sa fille. Pensez-vous vraiment que c'est facile pour que cette maman fasse une vidéo dans laquelle elle remercie la communauté africaine ou toute la communauté. Pensez-vous vraiment que c'est facile? Non. Ayez du cœur pour elle. Ayez du cœur pour ça.
compatissez au malheur des autres. Je vous rassure qu'elle sera au Canada parce que moi, je déléguais quelqu'un chez elle. Et j'ai acquéri toutes ces informations auprès de son ami. Donc, ils ont de notre patience, de notre bonne foi, de notre bonne volonté, de notre large cœur ou de la largesse du cœur pour asseoir ce problème. Maman Oakoufé-le-moi, elle ne ressemble à aucune maman du monde. Elle est par terre. Elle devient sans vie, sans espoir. Et elle peut même se poser des questions, genre, pourquoi c'est pas moi qui est parti, ça aurait peut-être moi, ça devait être moi. On se pose mille et une questions. Dieu, pourquoi tu n'as pas permis à ce que je parte à la place de ma fille? Ce sont ces genres de questions que les parents se posent. Parce que parents n'y ont pas. Abotaramoua, pour moi, n'aïa l'ilaï, moi n'a kunaï, et non le contraire. Maintenant, vos parents ont kunamoua. Là, vos parents ont l'ilamoua. C'est une tragédie. C'est un calvaire. C'est un déclin. C'est l'obscurité totale. C'est l'obscurité totale. Donc, ayez de la compassion pour cette pauvre maman, pour cette pauvre mère, Rosemine. Ayons de la compassion pour elle. Prêtons-la la main forte et espérons qu'elle s'en sorte de cette situation. Espérons que cette situation n'ait pas raison d'elle. Non. Qu'elle soit forte. Qu'elle soit vraiment forte. Qu'elle soit forte, forte au vrai sens du mot. Voilà pour la petite information. Voilà pour la petite histoire. Si elle n'est pas au Canada, c'est sur demande de la police canadienne. Et elle attend le mot d'ordre de cette dernière pour qu'elle effectue son déplacement en bonne et due forme. Mais elle est optimiste, comme je l'ai souligné, et elle croit en la survie de sa fille. Longévité et bonne santé à tous. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés au programme de Maman International TV Show. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.